Dans le moment que nous avons parlé là, nous faisons une consolidation et nous continuons à prendre information par rapport à nombre de monde qui est victime. Malheureusement, le bilan de la dit que nous alourdi. Nous dénombrons 724 monde qui mourent, dont 500 dans le département sud, 100 dans le département Gredens, 122 dans le département NIP et 2 dans le département nord-ouest. À date, à Kounyala, nous avons 2800 blessés que nous avons enregistrés. Ça, c'est blessés que nous avons ici, ouais, qui n'ont pas venu dans le centre hospitalier. Ça, c'est sans compter certains monde probablement qui ne doivent pas arriver ou bien pas arriver. Parce que la recherche a continué toujours en bas des combes dans certains côtés. Que y a des mondes qui sont toujours en bas, d'Akadi, et débris et chute à tremblement de terre. De manière globale, nous avons un gros bilan en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que ça n'est pas l'infrastructure, n'a pas les deux, et bâti avec l'autre structure qui existait. En pile, l'école, l'hôpital, l'hôtel, l'église, qui c'était une entreprise privée qui a affecté tout, ok? Et nous gagnons un bilan qui est quand même assez lourd par rapport au bâti. Si nous parlons de bâti, nous sommes capables de dire que nous avons 1500 cailles qui détruit. Nous avons 3000 cailles à peu près qui sont endommagées dans le département sud. Pour le département NIP, qui très durement atteint tout, nous avons 899 cailles qui détruit, 723 cailles qui sont endommagées. Okay? Pour le département Grandens, nous avons 469 cailles qui détruit, 1687 cailles qui sont endommagées. Et ceci, je ne dis, nous allons avoir plus de données encore et dans le prochain rapport de situation que nous avons gagné pour nous faire. En termes d'infrastructure routière, nous te connaissons que tu as un pont qui est sous rivière glace qui relie qui relie ville de Kaye avec ville Jérémy, donc sous route nationale ça qui était affecté. Il y a un gros travail rapide qui était fait pour rétablir pont ça pendant la journée hier. Là. Mais hier soir, pendant que tu as des répliques qui faites dans le département, il y a deux autres éboulements qui fait sous route là, ce qui fait que là, il y a un travail actif qui a fait pour nous capables de débloquer portion ça dans route là pour nous capable assurer nous que je me dis que perméabilité route là donc accessibilité route là là et que justement nous capable continuer faire travail d'intervention et de support à monde qui n'agadi qui victime yo. Et en termes d'infrastructure je me disais tout à l'heure là on a parlé d'infrastructure on a parlé de en plus du bâti on a parlé de justement route et etc. Dans le cas, il y a 3 centres de santé qui sont endommagés, il y a 3 écoles qui sont confirmées détruites, une église qui est sérieusement endommagée, donc qui est inutilisable, et nous avons 2 ponts qui sont endommagés, et Tiginode avec Voldwog, qui est actuellement là, justement endommagé et qui a recevoir évaluation, il a fait évaluation sur eux par travaux publics pour nous capables de rétablir au plus vite. Dans le département de NIP, nous avons PNH qui est structure PNH, donc un commissariat avec une prison qui est endommagée. Et nous avons un commissariat dans le Baradère qui est complètement détruit. Nous avons 5 églises qui sont endommagées dans le département NIP. Okay? Nous avons 7 écoles qui atteignent tout. Et nous avons un bloc administratif de l'hôpital L'Asile là qui atteint. Un point qui est important, c'est que nous avons 2 forts qui sont dans la mer qui permettent la navigation qui renversent dans la zone Grand Boucan. Et dans le département sud, nous avons 9 églises qui détruit. Nous avons 2 hôtels qui détruit, 3 églises. Entre autres, son route qui allait vers Port-Apiment qui est sérieusement endommagé, pont d'Amassin endommagé, et je ne dis pas là, nous avons parlé de glissement de terrain qui fait sur route nationale numéro 7 qui relie ville de Kaye avec ville Jérémy. Yon bagay que nous sommes capables de dire, c'est que là, pour le moment, toute action et activité justement de réponse et de secours yon en cours. Nous avons un paquet de travail qui a fait. Nous avons une équipe sauveteurs, sapeurs-pompiers volontaires qui sortit au Cap hier matin, hier pendant la journée, et qui arrivent au Kaye et qui déjà et fait un paquet de travail pour sauver les gens, retirer les gens en bas des combes et dans plusieurs structures que nous avons parlé. L'équipe ça a toujours à pied d'œuvre, ils continuent à travailler. Ils travaillent non seulement dans la ville locale, ils travaillent dans une zone campérienne et pour salut. Et là, ils vont essayer de dégager pour puis pendant la journée, monter dans l'autre zone qui nous a dit qu'ils ont reculé, qui pourquoi recevoir assistance. Et nous sommes capables de dire tout que en termes d'assistance et de coordination, nous avons un gros intérêt, un gros appui de la communauté internationale là que nous avons dit merci. Nous avons plusieurs dans le pays aminoyo qui déjà offrent aide et que nous organisons nous là pour nous capables de coordonner aide ça. Donc nous travaillons avec eux pour nous capables de dire mais qui ça que nous avons comme besoin. D'ailleurs nous faisons une liste sortie qui a besoin de base que nous avons en façon pour tout le monde les potons bagaille
poussé dans la liste besoin encore pour tel, en façon pour nous capables vraiment utiliser ressources là pour population hein, et vraiment faire travail de dispatching, c'est-à-dire que faire ressources aller côté pour y aller en façon pour toutes différents et dit, département ça et commune ça que nous parler là yo capable de joindre un appui logistique là déjà en cours pour que déjà gagner des équipes qui sortent pour Port-au-Prince qui aller vers zone et affectée que ce soit par voie héliportée par voie maritime mais aussi par voie terrestre. OK, nous avons des équipes là actuellement là qui prend route là et qui a pratiquement arrivé là dans zone sud qui arrivé sous NIP qui sont un département qui très affecté et que nous avons tendance oublié parce que tout le monde focalise sur les cailles, mais le département de NIP, particulièrement Baradé, nous avons pensé spécial pour eux, parce que yo gen un gros, yo pren un gros frappe, un gros choc, et il y a plusieurs répliques qui fait dans la zone ça, tout pendant la soirée à hier soir. Donc, je dis, l'équipe nous à pied d'œuvre, yo en route, yo gen qui arrive déjà, et qui commence le travail, et travail ça y a fait sous l'obédience et coordination autorité locale, yo, particulièrement autorité protection civile, yo, avec autorité délégation. Yo. Dernier point que je m'apprête rappelé, c'est le fait que nous quand même sous influence, alors nous prenons sous influence tempête tropicale grâce qui lui-même a avancé. Dans le moment que nous avons parlé là, dimanche matin, 11h du matin, tempête tropicale grâce pratiquement sous Porto Rico. Si l'Ikembe vitesse li avec trajectoire li, nous t'as supposé joindre influence tempête tropicale grâce demain pendant journée, hein, pour ne pas dire demain en fin journée. Hein. Mais je dis hein, déjà, unité hydrométéorologique que nous travaillons avec lui a sorti un avis météorologique et nous allons augmenter le niveau de vigilance, là, que nous habitué faire et nous allons continuer à faire passer message de précaution. Donc ceci, c'est une façon pour me dire tout le monde, déjà mettez Babno à la trompe. Continuez à exercer les messages de précaution et aider nous relayer les messages en façon pour nous capables de diminuer l'impact de la tempête tropicale qui va venir ajouter sous le tremblement de terre que nous avons géré déjà. Donc, je m'assure tout le monde que la protection civile à bord, nous tous nous mobiliser, que ce soit au niveau national, au niveau départemental ou bien au niveau local, et nous avons été mobilisés à côté de la population. Nous avons bien pour nous faire continuer à faire circuler les informations et venir dans un prochain point. Avec justement nouveaux informations par rapport à l'action que nous faisons. Je vais quitter par la place là, avec la parole là, par le président du comité national là, pour être capable d'annoncer les mesures qu'il prend et actions qui déjà a faites par rapport à la situation. Ça. Bonjour nous tous. Comme nous sommes là, le gouvernement mobilisé. Nous activer Kounan, ça veut dire que cette opération d'urgence en marche et toute ministre au niveau national yo réuni ici dedans pour prendre décision pour nous faire face à catastrophe ça qui arrive. Moi voulais remercier la communauté internationale qui mettait à disposition nous matériel avion hélicoptère et même bateau pour nous faire face à la catastrophe que nous avons là. Moi, je voulais remercier tout mon gouvernement qui a travaillé sans relâche. Certains n'ont eu sous le terrain et n'ont fait une rotation de ministres sous le terrain pour que yo plus près de la population, plus près pour servir. Je voulais remercier tout la population qui montre en pile solidarité. Nous voulons, pendant une période catastrophe, ça, bail une réponse plus adaptée que Santé Bail en 2010. Toute aide qui a venu de nous doit coordonner avec la direction de protection civile. C'est eux qui point focal pour toute aide qui a venu en urgence là, ici. Là. Nous ne voulons pas aide venir dégager chaque monde pour ça ou voulez, et même des fois pour des bails qui sont inadaptés et que nous avons des difficultés pour nous détruire eux-mêmes. Enfin, je voulais dire à la population, nous avons vécu une période difficile. Et c'est le moment pour que nous tous nous mettions ensemble, pour nous gagner une plus grande unité nationale, une plus grande solidarité avec les gens qui peuvent frapper. On oublie que nous sommes, on oublie tout le et on vient en aide à les gens qui sont plus pauvres et les gens qui sont plus en difficulté qu'on y a. Merci. Merci, Premier ministre. Merci, directeur général de la protection civile.
Et puis, on a tout profité d'annoncer que le Premier ministre, là, tout de suite, là, pour aller pour la faire une mission dans le Sud. L'équipe gouvernementale l'a accompagné. Donc, merci, amis, la presse, pas oublier, continuer à faire message passé. Et Jean, directeur de protection civile, là, sur dit là, il a attiré attention sur la tempête grise qui a privé. Mais au niveau de santé publique, tout, il a attiré attention tout sur le comportement pour continuer à kembe par rapport à la maladie COVID-19. Là. Merci tout le monde. Oui, donc le Premier ministre a gagné pour le faire dans le Sud, Vendance et Nip pour l'aller. Donc merci et puis nous retrouvons dans l'après-midi à 4h pour un deuxième point de presse.